Yo. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Sekiro. Alors que je vous dise dès le début, avant qu'on commence. Pardon. Je me suis spolié l'aventure. Enfin, une grosse partie de l'aventure. Tout simplement pour une bonne et une unique raison, c'est avoir la vraie route. Arrêtez de me perdre en fait. Et accessoirement, arrêtez de vous faire perdre votre temps. Là, on va aller faire. Donc, de ce que j'ai prévu, on va aller faire un combat. On va aller faire un combat contre un boss. Comment on appelle ça? Un demi-boss. Et après, on va affronter un boss grâce à la route, enfin grâce à l'aventure que j'ai réussi à continuer en fait. Enfin, un boss là où je sais que où est la suite de l'aventure. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi je ne bâillais pas. J'ai à peine commencé le live, je bâille. Super. Et le truc que je voulais vous dire aussi, c'est que malheureusement, enfin malheureusement, il se trouve que en off, j'ai battu la dame au papillon, là où il y avait le feu en fait, et je l'ai tombé en 4 ou 5 essais. Donc ça fait que je suis à 3 en attaque. Donc on va voyager tout de suite au château d'Ashina. Et c'est là. Alors je vais faire 3 ou 4 essais je pense. Mais merde. 3 ou 4 essais et si j'y arrive pas, et ben on continue l'aventure. Attends. J'ai compris. Ça m'énerve, il fait toujours ça en fait. C'est son coup là. Tchac tchac. Ça, j'arrive pas à le. Et même si je me protège, je me prends des coups en fait. Ça passe à travers. Regardez. Vous voyez?
putain, ça passe aussi. Ah, pas réussi. Ah non, pas ça. Ah là là là, il est bon. Hein. Le deflect peut-être, je sais pas. Le deflect en fait, c'est le. C'est si dès que sa lame me tape, bam, je pars. Et donc faut que je fasse bam bam bam. Ça va être chaud. On va tester, mais. Ok, donc en sautant ça marche pas. Bon, on va le laisser tranquille, on va s'en aller. Attendez. Je peux partir? Ah, je suis un con. Allez, on se casse. Excusez-moi, je fais que passer. Mais non, je voulais pas descendre. Oh, putain, je voulais pas descendre. Je fais comment pour remonter maintenant? Mais non, mais... Oh là là! Oh non. Je suis obligé de le tuer. On va galérer si je dois le tuer. Parce qu'en fait c'est là-haut. Et je peux. Ils veulent pas que je monte. Et en fait je peux monter si je. Je peux monter si je passe par là-bas. Bon, le début commence un peu mal, même très, mais on va essayer ça, on verra bien.
Bouge, 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 bouge. Je crois que j'ai découvert quelque chose. Ouais, mais attends, laisse-moi le temps de. Ah, bordel, il veut pas. Hein. Vous savez quoi, ça va être un peu long, mais je vais faire ça. Je passe sur le côté, je lui mets un coup, je me casse. Pas grave, on le saura pour cette partie-là. Et en fait, sur le côté, je vais vous la montrer de toute façon. Je vais vous montrer ce que je voulais vous dire. En fait, ici, vous voyez là-bas au fond, c'est là la fenêtre qui... qui me permet d'accéder au-dessus en fait. Et mais non, j'y dis pas de conneries. Je crois qu'on peut passer par là-bas. Attendez, je vais essayer. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, on va tuer lui. Non mais c'est quoi ce délire? Je suis un débile profond. Je le sais, il a que un coup fort et c'est le coup des stocks. Et pourquoi j'ai reculé, je ne sais pas. Ouais, oh, puis zut, hein, je vais pas les. J'en tue un et puis je me casse. Non mais, hé, hey, lâche-moi la grappe. Et donc normalement c'est par là, je crois. Non, ça a pas l'air d'être là. Je crois que c'est là la suite en fait. Si, c'est ça, je crois qu'on peut passer par là. Ah oui, voilà. C'est parti, mesdames et messieurs. Comment va grand-père? Le seigneur Ishin. C'est un miracle qu'il soit toujours en vie. Un vrai miracle. Je vois.
héritier divin. Je vous le demande une fois de plus. Permettez-moi de prêter le serment immortel. Je ne peux pas faire ça, Seigneur Genichiro. Votre victoire de ce jour ne signifie rien. Il risquera sa vie pour me ramener chez moi. Car il est mon shinobi. Monseigneur, je suis venu pour vous. Cela ne prendra qu'un instant. Je vois. Tant que tu seras en vie, le sang du dragon ne pourra être mien. Affronte-moi. Je ne pensais pas te revoir. Ouais, je l'ai vu. Impressionnant. Shinobi de l'héritier divin. Mais tu mérites bien mieux. Accepterais-tu un autre maître? Hérésie. Hérésie, dis-tu. Mon ambition est de préserver Ashina. Et j'accueille même les pouvoirs hérétiques. J'accepterai tous les fardons. Vois l'éclair de Tomoe. Oh non. Oh!
Ouais, c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu, sa race! J'ai fait des erreurs, mais je l'ai eu. Alors, le ninjutsu qui extirpe un nuage de sang d'un ennemi après un coup mortel dans le dos, utilisé requiert des emblèmes spirituels. La sonde de la victime devient de la fumée, ce qui permet d'échapper à la vue des ennemis et de regagner l'élément de surprise. En dernier recours, cette technique peut transformer la proie en chasseur. Merci pour le GG. Ninjutsu. Les ninjutsu sont des attaques puissantes utilisables seulement après un coup mortel dans le dos. Ils doivent être équipés dans le menu équipement et exécutés. Coup des emblèmes spirituels. Je vois que tu as gagné. Vous ? Je ne te veux pas de mal. Shinobi de l'héritier divin... Hein ? Seigneur Genichiro, est-ce là l'eau de jouvence ? Ashina... Cette terre est tout pour moi. Si c'est pour Ashina, je suis prêt à abandonner mon humanité. La résurrection. Oui. C'est exact. Et donc c'est ça. C'est ça qui s'est déverrouillé. Coup d'emblème spirit 6. Quand même. Voilà, plus 1 en attaque.
les tue, là. On va le garder. Alors. Enfin, j'ai réussi à accomplir les ordres de mon maître. Je dois te remercier. Qui servez-vous précisément ? Ishin Ashina. Je suis un docteur au service du seigneur Ishin. Pourquoi avez-vous reçu l'ordre de m'aider ? Le seigneur Ishin ne voulait pas utiliser le pouvoir de l'héritage du dragon. C'est pourquoi il... Il a essayé d'aider le seigneur Kuro à fuir Ashina. Oui. Le message que j'ai trouvé dans le puits, c'était vous. Encore oui. J'ai terminé mon devoir, mais il y a quelqu'un que je crois que tu voudrais voir. Le seigneur Kuro est en bas. Encore un ? Ah oui. T'as les mecs à ce moment-là, vous en mettez qu'un. Je suis venu pour vous, monseigneur. Oui, tu as bien fait de venir. Partons. Nous devons quitter Ashina. L'eau, mon sang. Le sang du dragon rend les hommes immortels. Il en va de même pour toi. Oui, monseigneur. Je souhaite te sauver. Je suis sûre que je ferais la même chose si l'occasion se présentait. Cependant, l'immortalité entraîne la stagnation, le serment immortel, l'eau de jouvence, la peste du dragon. Tout cela corrompt les hommes, au point qu'ils ne peuvent plus vivre comme des hommes. Je veux briser les chaînes de la stagnation liée à l'héritage du dragon. L'eau, veux-tu m'aider à atteindre ce but ? Protégez-vous, l'héritier divin. C'est la règle que m'a imposée mon père. Combien de fois es-tu mort et revenu à la vie pour moi ? Deux fois ? Trois fois ? Oula. Ou peut-être tant de fois qu'on ne peut les compter ? C'était pour défendre mon seigneur, et le nombre ne compte pas. Je ne souhaite pas te lier à une éternité de non-mort. Lou, rejoins-moi dans ma quête pour mettre fin à l'immortalité. Merci, l'eau loyale. Si nous voulons briser les liens de l'immortalité, je sais où commencer. L'eau, regarde ça. Texte de rupture avec l'immortalité. Un livre reçu de Kuro sur l'art de mettre fin à l'héritage du dragon. Le livre est ancien, sa reliure est arrachée et manque plusieurs pages. Voici comment accomplir le rite de l'immortalité. Au-delà du palais de la source, trouvez le sanctuaire pour y collecter les larmes du dragon sacré du royaume divin. C'est une ancienne archive qui était conservée au château d'Ashina. Les larmes sacrées du dragon du royaume divin. Oui, je crois qu'avec les larmes du dragon, il doit être possible de mettre fin à l'héritage du dragon. Mais le royaume divin, comment peut-on ? Je sais. L'eau, cet encensoir-là, il appartenait
à quelqu'un de particulier, regarde. Il a quelque chose de spécial. On m'a dit qu'il y a longtemps, il y avait un autre héritier divin ici, dans le château d'Ashina. Il s'appelait le seigneur Takeru. Cet encensoir lui appartenait. Où est-il à présent ? Il est mort il y a longtemps, apparemment. Enveloppé dans l'arôme de la source, je retourne au royaume divin. On dit que ce sont les mots qu'il a laissés derrière lui. Vous dites que l'arôme de la source est la clé pour atteindre le royaume divin. C'est ma conviction. Lou, cherchons la vérité ensemble. Quant à l'endroit où commençait notre recherche, je suis certain que certains livres du seigneur Takeru sont toujours dans ce château. Des livres qu'il a amassés pour trouver le royaume divin. Je vais les chercher. En plus de trouver un moyen d'atteindre le royaume divin, peut-être devrions-nous aussi chercher comment trancher les liens de l'immortalité. Excellente suggestion. Parle à Isshin. Si quelqu'un connaît la réponse, c'est lui. Lou, viens avec moi. Le seigneur Isshin n'est pas dans la citadelle. On me dit qu'il se rétablit dans l'une de ses tours de guet. Mais le chemin vers cette tour de guet est fermé. Sa santé est un peu... Comment peut-on entrer ? Sur le toit, il y a un chemin. Les ninjas en goulevant y patrouillent. C'est un chemin conçu pour les shinobi. Mais j'imagine que ce sera pas un problème pour toi. Il paraît que les ninjas en goulevant utilisent des signaux de fumée comme repère. Oui. De sorte que si tu suis ces signaux de fumée, tu devrais pouvoir atteindre le seigneur Isshin. Et tu peux utiliser cette fenêtre pour atteindre le toit. Alors, le seigneur Isshin. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu... Mon seigneur n'est pas dans son donjon. Il est dans l'une de ses tours de guet séparées. Mais le seigneur Isshin n'est pas bien. C'est pourquoi l'entrée dans sa tour n'est pas autorisée. Ce qui concerne la vie de l'héritier divin. Oui ? Je voulais vous demander quelque chose. Avant cela, du saké ! Quoi ? Tu l'as mérité, prends-le. Mon petit-fils Genichiro a été ensorcelé par l'eau de jouvence. Tu as bien fait d'arrêter cela pour moi. Je te remercie. Je me suis contenté de suivre le code que mon père m'a enseigné. Ah, le code de fer des shinobi ! Je vois. Ainsi, tu es le fils de la chouette. Le garçon qu'il a trouvé pendant la rébellion. Oui. Et tes voyages t'ont mené jusqu'ici. Les liens qui nous unissent sont tellement ironiques. Ne trouves-tu pas, Sekiro ? Vous êtes... Bon. Que voulais-tu savoir ? L'héritier divin veut briser les chaînes de l'immortalité. Je veux savoir comment on peut faire. La lame de la mort. Si tu avais une telle arme,
Ce serait peut-être la clé que tu recherches. La lame de la mort. Avec elle, tu peux tuer quelqu'un qui normalement ne peut pas mourir. Quelqu'un qui ne peut pas mourir. Un infesté. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Je n'en ai encore jamais vu. Mais on dit qu'ils ne meurent pas, même si on leur transperce le cœur ou si on leur coupe la tête. S'il y a du vrai dans ces histoires, ils doivent être effrayants. Pour tuer un tel monstre, il te faudrait la lame de la mort. Où est cette lame de la mort? Il paraît qu'elle est détenue au temple Senpo. Toutefois, on dit que la lame de la mort ne peut pas être dégainée. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est ce qu'on raconte. Les portes du temple sont fermées de toute façon. Qui sait ce que font ces dégénérés enfermés là-haut dans la montagne? Il n'y a aucune route digne de ce nom qui y mène. Par Sekiro, briser la malédiction d'immortalité, ce sera un sacré combat. Et au combat, les plans et les désirs s'entremêlent sans fin. Si tu hésites, tu seras emporté. Et tu perdras la bataille. C'est tout. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. Sekiro, si tu hésites, tu perds. Clé. Cette poussière, c'est horrible. Je suis de retour. Oh, Lou, te revoilà. As-tu rencontré le seigneur Ishin? Oui. Il a dit que la lame de la mort pourrait être la clé pour mettre fin à l'immortalité. La lame de la mort? C'est une épée qui a le pouvoir de tuer les immortels. On peut la trouver au temple Senpo. Je vois. Oui, c'est prometteur. Comme vous dites. Pour ma part, j'ai cherché tous les livres susceptibles de contenir des indices sur l'arôme de la source. Apparemment, le seigneur Takeru cherchait bien un moyen d'atteindre le royaume divin. Pour l'heure, j'ai trouvé une information pertinente. Et c'est... une fleur. D'abord, lis ceci. Alors, une note reçue de... écrite par Takeru, dans sa héritier divin. Aurait trouvé le parfum de la source. Vous pourrez retrouver avec la... Vous pouvez trouver une clé. Les adjuvants sont rassemblés dans une... Qu'est-ce que... Le seigneur Takeru a laissé cela derrière lui. Je cherchais des informations sur l'arôme de la source et sur son lien avec le royaume divin. Il y a de l'eau qui coule de la source à travers Ashina, et le livre parle d'une fleur de lotus blanche qui pousse là où les eaux sont profondes. Cela semble être un composant de l'arôme de la source. Un endroit où l'eau de la source est profonde. Peut-être au fond d'une vallée. Oui. La vallée engloutie. Ce pourrait être là. L'eau de la source devrait couler jusque là. Où se trouve la vallée engloutie? C'est au-delà des bois, derrière le château. Il y a un hôtel dédié au serpent blanc, au fond de la forêt. Comme son nom l'indique, la vallée engloutie est juste dessous. Il n'y a pas de chemin idéal pour s'y rendre. Mais un homme de ton talent devrait s'y retrouver.
sacrifier pour vous. Se pourrait-il que ce soit... C'est une goutte de Sakura. C'est... Quand la promesse d'éternité de l'héritage du dragon est brisée, on dit que c'est ce qu'il reste à la place du serment. Vous pensez que celle-ci a été laissée par le seigneur Takeru ? C'est vraisemblable. Lou, si tu le désires, nous pouvons utiliser cette goutte de Sakura pour t'aider. Le serment à mon seigneur est la seule chose dont j'ai besoin. Je comprends. Mais ne refuse pas pour épargner mes sentiments. Si tu en éprouves le besoin, n'hésite pas à demander. Tu pars. Lou, je compte sur toi. Monseigneur. Allez. C'est bon, hein, c'est de blabla. Rencontrer le seigneur Ishin. Oui, il m'a remercié pour avoir vaincu Genichiro. Je vois. Pensez que le seigneur Genichiro irait jusqu'à boire la lie de jouvence. La lie de jouvence. C'est comme ça que nous appelons la partie la plus concentrée de l'eau de jouvence. Je suis sûr que tu l'as vu par toi-même. La lie de jouvence confère une endurance exceptionnelle. On peut alors encaisser des coups qui seraient fatals pour n'importe qui d'autre. Mon mentor Dogen avait consacré de nombreuses recherches à son usage. Mais tous ses travaux, ses documents, ses remèdes, tout, tout a été brûlé et détruit. Je ne sais pas par qui, mais il paraît que l'un de ses apprentis est parvenu à en sauver un peu. Sans doute Dojun. Tu as demandé au seigneur Kuro ce qu'il en pensait ? Ouais. Et ? Nous avons décidé de trancher les liens d'immortalité. Je vois. Je vous remercie. L'aide que vous m'avez apportée. On dirait presque que tu me dis adieu pour de bon. J'ai accompli les ordres de mon seigneur. Je vais rester ici au château. Viens me voir quand tu veux. Je te fournirai mon aide en tant que docteur. Il n'y a pas de graines de gourde. Bon, c'est adieu. Bon. Allez. Alors, si je ne m'amuse... Ah là, le temple de Senpo. C'est où le plus loin que j'ai été ? C'est là ? Je crois que je me suis trompé. Hein. Alors, moi je suis débile en fait, j'avais le point ici et à chaque fois j'allais chercher le point là-bas, oh là là. Ah bah non, c'est de l'autre côté. Ah oui, non, c'est bon, c'est moi. Comment ça, crame là, cramer quoi? On crame pas les gens, c'est pas... On ne peut pas ouvrir la porte. Oh, il y a des carpes. Cool.
C'est des dingues avec leurs bombes. J'aurais dû passer par les toits. Merde. J'ai fait n'importe quoi, on recommence. Alors, voilà, on va sauter sur le toit, on va voir comment on va faire les toits en toit. Merde! Ah, je suis un débile. On va essayer ça. Bah voilà, ça c'est une bonne route ça. On se croirait dans Tenchu. Bien sûr que j'agresse les moines aveugles. Sinon c'est pas marrant. Il y a encore des moines à l'intérieur. Mais moi, je vais passer par en haut. À moins que... Oh, on va passer par en haut, on va pas se faire chier. Oula! Il y a des mecs au chapeau. What? Oh le salaud, il m'a défoncé ma vie. C'est quoi ça? C'est des moines. Ils sont trois.
mais dis donc. Vous aviez des trucs, non? Non, c'est un chemin ici. Allez, on progresse. J'ai fait assez perdre de temps de... Bon. Tiens, je suis passé je sais pas combien de... J'ai passé je sais pas combien de temps avec l'autre con là. Il y a un gros là-bas. Le gros! Non seulement c'est un gros, en plus il a un bouclier. Non mais attends. Où allons-nous? Il est où? Il est où le mec qui m'a vu? C'est toi qui fais tout ce barouf là? Merde. Je voulais lui faire la mort venue du ciel, mais... Bouddha soit loué. On va se mettre un petit coup de jus là, hop. Y a rien, pas de truc caché. Ah si. Allez. On est y part. Ça me paraît suspect qu'il n'y ait pas grand chose. Ah si, là, il y a un mec. Si, c'est ça, il y a un mec. Ouais. Hein. Ah, ils sont deux. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ça a pas l'air d'être des bonzes. Ah, je me suis fait défoncer, monsieur dame. Bah voilà, y a plus qu'à. Bon, je les esquive. Attendez, je vais regarder vite fait un truc. Non, pas ça. Ça. Est-ce que je peux faire quelque chose?
Ouais, je vais monter ça. Voilà. Allez. Ah merde. Ah oui, on est revenu au début. Ça régale. Oh GG. Oh le GG. Oh comment je l'ai pris dans le dos cet enfoiré. Je vais attendre que l'autre bonze il arrive, de toute façon lui il est plus... Il est moins chiant en fait. Alors... J'ai vu une... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah, on peut faire ça? On peut le faire de l'autre côté? Oui. Pas grave. Je speedrun le truc. Par contre, je sais pas où je dois aller, c'est le truc. Ouf. Oh non, mais maintenant il y a un autre bonze et tout.
Oh non! Putain, je vais pas m'en sortir. Oh putain de merde. Obligé de tout recommencer. On peut monter sur le toit là, non? Je sais même pas où c'est, je sais même pas si c'est dedans, si c'est dehors. Attends, lui il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il avance par là. Je vais speeder pour le perdre. Lâche pas, hein. Là, il y a des bronzes. C'est bon, on lâchait. Ouais. J'ai vu un truc pour sauvegarder en plus.
Merde, j'ai pas. J'ai pas réussi à aller en haut. Je vais galérer pour prendre le truc sur la statue de Bouddha. Je suis sûr que ça vaut quelque chose, ça. C'est peut-être quelque. Je suis sûr que c'est quelque chose d'important. Si c'est sur Bouddha. Goutte de sang du dragon, bah voilà. Ça c'est bien, si je meurs je réapparais ici. En fait c'était ça, mais je confondais. Bouddha soit loué. Singes. L'un des panneaux est vierge. C'est parti. Notre but est d'attraper les singes. Enfin, d'attraper. De tuer les singes. Là-bas, il m'a vu. Si je fais ça, c'est parce qu'il y en a un invisible qui me suit en fait. Et j'attends de voir si. Quand est-ce qu'il se rapproche. Il est là. Et 2-1. Je fais gaffe parce qu'ils ont tendance à tuer par la terreur. Alors normalement... Il y en a un là. Le vert. Est-ce que c'est le vert qui... Je sais plus si c'est le vert qui entend. En fait, il faut que je fasse ça. Regardez bien. C'est bon, ça le dérange. Lui, il entend. Donc. Voilà. En fait, c'est les trois. C'est les trois singes. Celui qui entend. Celui. Normalement, c'est celui qui entend pas, celui qui voit pas et celui qui dit rien. Et ben là, il y en avait un qui entendait. Celui-là, que j'ai tué, entendait super bien. Il y en a un. Dès qu'il me voit, bah, il parle.
Enfin, il tape sur un petit tambourin. Et il y en a un qui me voit de. Le violet qui me voit de super loin. J'entends un qui est ici. On va aller voir ça. Oh, j'ai failli mourir. On va voir. Peut-être il est au-dessus, peut-être il est dedans. S'il est dedans, c'est tout bon. Oh, c'est tout bon. Lui, c'est celui qui voit. Et comme il était dans le noir, bah, il voit que dalle. Donc, il en reste plus qu'un. Il reste plus que celui qui parle. Et normalement, il a son petit tambourin. Et je sais pas où il se pose d'habitude. Je sais qu'il y en a un qui se pose au milieu. Oh putain, je vais mourir. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Je vais mourir, je me casse. Pas lui où tu es. Oh merde. Il est là-bas. Oh! J'ai failli mourir. Ah bah t'es mort. Il est où? Je sais plus comment on le pec celui-là. Normalement il y a peut-être une chambre spéciale. Si c'est celle-ci. Non, celle-ci, il n'y a rien de particulier. Je vais essayer de pas faire trop long, mais. Ça, c'est la chambre du noir. Ça, c'est la chambre du bruit. Enfin, c'est le truc du bruit. Où est-ce qu'il est? Il est là. Non, 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 ça serait con que je meure. Voilà. C'était pas trop compliqué les singes, mais...
Mais il semble que cela n'était